Nous suivons l'avancée des caravanes acarétiennes qui poursuivent leur triste périple à travers le désert du Grand Vide. Les pires criminels de la cité se mêlent, jugés par la morale de l'impitoyable Acaracta, la cité capitale du royaume d'Acarès, à travers une route qui les conduit tous vers un destin funeste. Notre regard est porté sur une caravane en tête de convoi, commandée par un garde véreux et odieux. Cette caravane est particulière. En effet, celle-ci ne comporte à son bord que des femmes. 8 au total. 8 femmes sur tout le convoi. Car pour éviter tout débordement pendant le trajet, les femmes ont été séparées des hommes. Les violeurs jugés n'ont pas forcément appris de leçons lorsqu'ils furent condamnés pour leurs crimes. Certains ont simplement été bannis, exilés, loin de la luxuriante cité d'Acaracta qui a pu ainsi être nettoyée. La menace qu'ils représentent n'a donc été qu'écartée. Les gardes, qui mènent le convoi dans les profondeurs du désert du Grand Vide, ont semble-t-il de meilleures choses à faire que d'exercer leur autorité. Un arrêt. Encore un. Ça doit faire 5 jours que l'on a quitté la cité, si je ne me trompe pas. Quand est-ce qu'on va enfin arriver? Le garde qui conduit la caravane vient s'introduire dans le compartiment où sont retenues les 8 femmes. Ces dernières sont enchaînées à un système de poutres coulissantes fixées sur le plancher de la caravane. Le garde, au regard malsain, commence à dévisager une par une les femmes retenues captives. Chacune d'entre elles savent pertinemment ce que le garde a en tête. Elles espèrent uniquement que cela ne leur arrivera pas. Pas cette fois. Pas encore. Bon, qui ce sera? Je suis pressé. Toi, la pute! Tu sais y faire, non? Et muette comme tu es, au moins, on t'entendra pas gueuler comme l'autre truie, hein? Enfoiré. Et il fait partie de la garde de la cité. Voilà où ça nous mène d'accepter n'importe qui dans nos rangs. Le garde saisit alors violemment une des femmes, apparemment muette, par le bras, et la força à se pencher en avant. Il ôta sa ceinture à laquelle était accrochée une dague, baissa son pantalon et releva sa tunique. Il commença son sale travail et la viola, froidement et sauvagement, devant les autres femmes qui, de honte, baissèrent le regard. Mais la honte ne connaissait pas le cœur de Méliane, la seule des 7 autres femmes qui assista à la triste scène, le regard rempli de mépris envers l'impunité et le sadisme qui transpirait de ce garde. Méliane le fixa et lui lança. « Sale enfoiré! Tu n'as pas honte de salir ta fonction et ta patrie en t'abaissant de la sorte ?» Le garde, surpris, se stoppa. Il remit correctement son pantalon avant de repousser brusquement la femme qu'il venait de violer. Il se tourna ensuite en direction de Méliane. Hey, « Eh, t'as bien de la chance que le roi t'ait accordé une faveur, Méliane. Mais t'es plus dans la garde d'élite désormais. C'est fini tout ça pour toi. Tu devrais apprendre à fermer ta jolie petite gueule maintenant que t'es plus en poste. Dis-toi qu'à cette heure-là, ta tête aura déjà dû trôner sur une pique. Alors ouais, apprends à la fermer. Pour cette fois, je vais pas te toucher, je suis pressé. Le convoi doit encore avancer jusqu'à la tombée de la nuit. Mais sois sûr que la prochaine fois que je monte dans cette foutue caravane, c'est pour ta gueule. Et pour ton cul. » Méliane ne répondit rien, mais fixa le garde droit dans les yeux, ne lui montrant aucune faille. Il y avait une atmosphère pesante et étrange dans la caravane. Méliane ne la supportait pas. Elle ne supportait pas être retenue captive dans cette caravane qui faisait route en plein milieu du désert, sous un soleil écrasant, en compagnie d'assassins, de voleurs, d'escrocs, d'espions, de criminels, de vrais criminels, selon Méliane. La raison pour laquelle elle s'était retrouvée enchaînée dans ce convoi, c'est qu'elle eut une faveur de son roi, du moins son ancien roi. En effet, Méliane était à la tête d'une élite de soldats de la garde d'Elanéor II, roi du royaume d'Acarès. Méliane entretenait une relation proche et presque familiale auprès de son roi avec qui une solide confiance régnait. Depuis son plus jeune âge, Méliane avait prouvé sa valeur et ses compétences dans l'art de l'épée et de la stratégie au combat. Elle mena de grandes et valeureuses batailles de conquête. Sa force et sa détermination étaient un atout de taille pour le roi et son royaume, dont Méliane en tenait la plus haute et fidèle fierté. Elle portait sa cité et son pays, son roi et sa patrie dans ses veines. Elle n'avait de vie et de passion que pour Acaracta, l'Acarès et son roi. Elle en était presque dépendante, et sa dépendance le lui rendait bien. Mais jusqu'au jour où elle se vit trahie,
trahie par la personne qu'elle pensait le plus proche et de confidente. Trahie par son roi. Le roi d'Elanéor II était comme un second père aux yeux de Méliane. Mais pour des raisons économiques et politiques, celui-ci décida d'ouvrir les frontières de l'Acarès à de nouvelles ethnies. Cela, Méliane ne l'accepta pas. Il était inconcevable qu'une population étrangère s'immisce et s'implique dans les décisions du royaume. Malgré le respect qu'elle avait pour son roi, l'amour pour sa patrie était bien plus fort. Elle décida donc, à la tête de la garde d'élite qu'elle dirigeait, de mener une mutinerie envers le roi et ses décisions. Sa rébellion se solda dans un bain de sang. Seule Méliane fut épargnée par la grâce de son roi qui, au lieu de la condamner à la mort, lui accorda une faveur, celle de l'exil. C'est ainsi que Méliane se retrouva dans le convoi l'amenant aux confins du désert du Grand Vide. La caravane avait alors repris son chemin jusqu'à ce que des cris venant du convoi se fassent entendre. Les chevaux commencèrent à hennir dans tous les sens et plusieurs pas foulaient le sable à toute allure. Et brusquement, une violente charge fit voler en éclats la caravane qui se fracassa en deux. Méliane ne comprit pas ce qui se passa, elle se retrouva en un instant éjectée au sol. Il y avait une grande confusion, de la hâte et des cris, alors que les chevaux tirant les caravanes s'empressaient de fuir. Le convoi subissait une attaque de sales trails, d'imposantes créatures du désert cornues, à la peau dure comme le bois et noire comme le charbon. Des créatures qui n'agissaient qu'en meute et qui balayaient tout sur leur passage. Plus d'une quinzaine de sales trails avaient foncé sur le convoi de prisonniers et avaient semé la panique parmi les caravanes. Certaines d'entre elles furent ravagées et mises en pièces. Trois des femmes qui étaient assises à côté de Méliane il y a à peine une minute de cela avaient trouvé la mort. Soit la nuque brisée à cause de la violente charge d'une des créatures à travers la caravane, soit dévorée par l'énorme gueule de ces monstres féroces et impitoyables. Certains gardes tentaient difficilement de se défendre, mais leurs chances de survie étaient faibles face à la sauvagerie des sales trails. Méliane, elle, assista impuissante à la scène. Elle était bloquée au sol par la poutre à laquelle elle était toujours enchaînée. Coincée et ne pouvant s'échapper, elle essaya tant bien que mal de se dégager, mais elle demeura immobile. Elle reconnut cependant la femme qui s'était faite violer devant ses yeux, la muette. Cette dernière s'était retrouvée libérée de ses entraves lorsque la caravane fut brisée. Elle profita de la confusion pour se glisser derrière le garde qui l'avait violentée quelque temps avant et lui subtilisa la dague qu'il portait à sa ceinture. Ce dernier n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait que son cadavre gisait sur le sable chaud du désert, la gorge ouverte, se vidant de son sang. La femme avait redoutablement exprimé sa vengeance sur le garde qui l'avait violée et volé sa dignité. Elle lui ôta ensuite le home qu'il avait encore. Elle s'appropria son casque et le porta, comme une forme de trophée en guise de réparation pour ce que cet odieux personnage lui avait fait subir. Il était impossible pour Méliane de se dégager seule de la grosse poutre en bois qui la paralysait au sol. Dans le chaos de l'attaque des sales trails, elle tenta de se faire entendre et de demander de l'aide, bien que ce n'était pas dans ses habitudes. Elle reconnut alors deux autres femmes qui étaient aussi avec elle dans la caravane. Deux femmes aux traits de visage similaires qui, sans raison apparente, portaient des bâillons. Méliane tenta d'attirer l'attention des deux femmes vers elle, mais ces dernières semblaient occupées à tenter de se libérer de leur chaîne qu'elle portait encore au poignet. La cohue et les cris isola Méliane, la condamnant. Et c'est alors qu'un des sales trails surprit Méliane. L'imposante créature l'avait repérée et en avait fait sa proie. De ses deux énormes pattes inférieures, le sale trail s'appuya sur la poutre sous laquelle Méliane était retenue prisonnière. Le monstre exerça une forte pression sur la poitrine de Méliane qui dut lutter pour ne pas se faire briser la cage thoracique. Son souffle en était coupé. Le sort de Méliane était scellé. Il lui était impossible de fuir alors que le sale trails révéla sa grande gueule et ses crocs acérés, la salive aux lèvres et le regard bestial. Méliane allait se faire arracher la gorge, jusqu'au moment où la lueur de la rage qui animait le regard du sale trails fut détournée. D'un instant, la bête fut comme frappée de stupeur, déviée de son idée première de chair et de sang. La créature relâcha la pression qu'elle appuyait sur la poutre et sur Méliane, et suiva quelque chose d'autre du regard. Quelque chose qui se tenait devant elle. Le sale trails se redressa et Méliane put alors reprendre sa respiration correctement et voir ce qui venait de se passer. Elle reconnut une autre femme, positionnée sobrement debout derrière Méliane. Une femme qui était elle aussi présente dans la caravane. Elle menait étrangement l'animal du bout du doigt.
C'était une drôle de sensation que ressenta Méliane à cet instant précis. La femme, qui portait un capuchon, était toute pâle. Ses yeux étaient révulsés. Il semblait y avoir une connexion depuis le bout de son doigt et avec la créature. L'énigmatique femme semblait être parvenue à apaiser la créature qui, quelques secondes auparavant, était sur le point de dévorer Méliane. Le sale Trails avait subitement changé de comportement et d'attitude. La femme encapuchonnée l'a dompté du doigt. Puis après ces curieux instants dont Méliane était témoin, la créature fut comme prise d'effroi et se mit à fuir dans l'autre direction. Le sale Trails se sauva à une vitesse folle à travers le désert. Et par un effet de groupe, les autres créatures qui virent un des leurs cavaler à toute allure en firent de même. Les sale Trails se regroupèrent en meute et disparurent loin dans le désert. Sans prononcer un seul mot, la femme qui venait de secourir Méliane aida cette dernière à se dégager de la poutre qui la maintenait au sol. Méliane se redressa et fixa quelques secondes celle qui venait de la sauver d'une mort certaine. Mystérieusement, la femme avait retrouvé des couleurs. Sa peau était maintenant mate et ses yeux d'un brun perçant. Quel est ton nom ? Beolita. Je me nomme Beolita. Je crois que je te dois des remerciements, Beolita. Merci. Nous ne devrions pas rester là plus longtemps. Il n'y a plus rien ici. Le convoi est décimé, perdu. Si nous ne voulons pas être perdus à notre tour, il faut nous diriger vers l'ouest. Si tu veux m'accompagner, Beolita, je te le permets. Méliane jeta un coup d'œil autour d'elle. Il ne restait pas grand-chose de l'attaque des sale Trails, si ce n'est des cadavres et des prisonniers mourants parmi les décombres des caravanes. Elle savait ce qu'elle faisait et ce qu'elle devait faire si elle voulait survivre. Partir loin vers l'ouest. Au sud, il n'y avait qu'une étendue de sable brûlant et hostile. À l'est, il y avait le gouffre de Moloch qui ne conduisait qu'à la mort. Au nord, il y avait donc la Caress et la cité d'Acaracta. Il ne restait que l'ouest pour retrouver une nouvelle cité, une nouvelle vie vers laquelle Méliane allait se diriger. Par réflexe, elle récupéra une épée à la ceinture d'un garde-mort, marquée d'une énorme plaie ouverte au ventre. Elle s'équipa de quelques gourdes d'eau ainsi que d'autres provisions utiles avant de commencer à chercher la direction de l'ouest. C'est alors que les deux femmes qui portaient des bâillons quelque temps avant et qui étaient présentes dans la même caravane que Méliane revinrent en sa direction. Elle l'avait entendu parler à Beolita et de son projet de quitter vers l'ouest. Elles se présentèrent alors avec une grosse casserole. Hé, vous savez que vous n'irez pas très loin sans nourriture. Regardez ce qu'on a trouvé dans la caravane des provisions. Une marmite à moitié pleine de potées aux champignons. Ouais, et ça nous en ferait trop pour nous. Et puis, si vous comptez partir vers l'ouest sans rien dans le ventre, on vous retrouvera affamé en plein désert. Par chance qu'on soit là, hein, Luby? Ouais, pas faux. Alors, on se sert chacune une portion et on prend la route? Il n'y a plus rien ici, de toute façon. Les deux femmes qui se targuaient d'avoir trouvé une casserole de nourriture étaient sœurs. Il était clair qu'elles cherchaient à s'attirer les faveurs de Méliane, qui avait décidé de tracer sa propre route. Cependant, Méliane avait vu juste dans le jeu des deux sœurs. Mais elle ne pouvait pas se passer de nourriture si elle voulait espérer survivre à travers le désert. Bien sûr qu'il va me falloir de quoi manger. Tout comme il va me falloir des bras pour porter cette casserole. Vous semblez bien amenée pour cette tâche, n'est-ce pas ? Allez-y, vous pouvez vous servir. Je prendrai ma part plus tard. Beolita ? Méliane invita Beolita à se servir, ce que les deux sœurs n'avaient pas attendu de faire. Mais en s'approchant de la marmite, Beolita plongea ses mains en plein dans la nourriture et commença à fouiller dans tous les sens. Hé, mais qu'est-ce que tu fais au juste ? Beolita était concentrée dans ce qu'elle faisait. D'une façon encore étrange, elle sondait, manipulait les aliments présents dans la marmite. Comme si elle était en train de lire à travers les morceaux de champignons et de pommes de terre. Puis, elle ôta ses mains de la nourriture et se tourna vers Méliane. L'ouest est par ici. Emprunte cette direction si tu veux le rejoindre. Beolita indiqua l'exacte position de l'ouest à Méliane. Cette dernière avait commencé à nourrir une confiance en Beolita et ne la questionna pas sur ses méthodes. Il y avait une fiabilité dans la voix et dans l'attitude de Beolita. Une fiabilité et une sagesse que Méliane avait décelées et qui lui permit de suivre ses indications sans l'ombre d'un soupçon. Il n'en était pas de même pour les deux sœurs.
Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises? À part mettre les mains dans la bouffe, je vois pas où ça nous indique l'Ouest, hein. Si tu pouvais foutre ton nez cassé dans de la bouffe pour nous indiquer l'Ouest, Luby, on n'en serait sûrement pas là, hein. Mais ferme ta gueule, la gamine. Je t'y casserai bien la bouche et je t'enfoncerai dans cette casserole juste pour que tu la fermes, en fait. Bah essaye toujours, tiens, si t'as que ça à faire. Moi, j'ai pas envie de rester ici. Ouest ou pas, je bouge. Quoi? Comment ça? T'y crois, toi, ce que dit cette folle? Non, mais sérieusement. Les deux sœurs continuaient à se quereller sans que ni Méliane ni Beolita n'y portent attention. Finalement, les quatre femmes se mirent en route, en direction de l'ouest, laissant le convoi, ses décombres et ses cadavres derrière elles, sous la lourde chaleur du soleil du désert. Mais avant de quitter, Méliane reconnut une nouvelle fois la muette, la femme qui s'était faite violer par le gars dans la caravane et qui avait pris avantage de la situation pendant l'attaque des Salt Trails pour exercer sa vengeance sur celui qui l'avait souillée. Méliane lui lança alors. Hey, « Hé, toi! Si tu veux nous suivre, c'est maintenant !» La femme n'hésita pas et rejoignit le rang de Méliane, accompagnée de Beolita et suivie des deux sœurs portant la marmite, tout en pestant l'une sur l'autre, se dirigeant maintenant à travers le désert et vers l'ouest.